bienvenue au mois d'octobre. C'est déjà l'automne, je suis déjà en parka et tout. Donc ce mois-ci, ça sera beaucoup plus Auchan et la fac. Parce que ça y est, le rythme a vraiment repris et voilà. Je voulais juste un peu parler comme ça et introduire le vlog de façon très naturelle. Voilà, je vais arrêter de vlogger. Heureusement, il n'y a personne. Coucou Julia! Salut! Le soleil t'illumine. Trop chou! On va voir si j'arrive bien à miser. Faut pas qu'on crie. Hein. Ok. Ok. Coucou, ça fait très longtemps que je vous ai pas vu et devinez avec qui je suis. Bon, en vrai, elle est là depuis hier soir, mais genre, on est trop bêtes parce qu'on a oublié de vlogger. Enfin, on était à une soirée d'éther. J'avoue, première soirée depuis longtemps pour moi et depuis longtemps pour nous deux ensemble. Du coup, c'était grave cool. Et là, on se balade un peu dans mon petit écart, tout ça, m'assis pas les os. Je vais pas vous montrer chez moi non plus parce que sinon, il y aura des voyeurs qui vont venir jusqu'à chez moi. Oh là là, enfin bref. Tu mets devant chez toi. Non, ça va. Il faut jamais faire ça. Première règle de youtubeur qui se respecte. Oh mon dieu, toujours aussi folle. Enfin bref, donc là on se balade. Aujourd'hui c'est chill. Et puis demain on sera à Bercy. Elle va voir les BTS en premier. Et moi je vais voir les BTS en deuxième. Vous allez voir tout ça, ça va être trop exceptionnel. Voilà, petit update du jour. Bonjour, c'est le jour du concert de Mirana. Oh my god, vous n'imaginez même pas le stress qu'on a dans la vie parce que Mirana, hein, n'a pas imprimé son billet. Ah, heureusement que heureusement qu'il y a Manon qui est là pour lui envoyer le billet plus sa photocopie d'identité parce que en plus Mirana avait un billet au nom de Manon, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Là du coup, on est en train de faire à manger genre pour moi demain parce que je vais faire la queue de 5h du matin jusqu'à 19h, voilà. Et encore c'est tard, hein, 5h du matin, ouais. C'est très tard, les gens vont faire la queue dès la fin de, ben, du concert auquel je vais assister. Exactement, c'est-à-dire que ce soir je vais aller l'accompagner pour qu'elle aille à son concert et je vais commencer déjà un peu à faire la queue la nuit. Après je vais rentrer avec elle et le lendemain matin je vais repartir, merci, je vais repartir là-bas et faire la queue et il y aura déjà 5000 personnes. Non, je rigole. Peut-être 2000. Donne les stats, hein, de ce qui s'est passé hier soir. Ah ouais, hier soir, en gros, pour le concert de ce soir, qui est le premier concert des BTS à Paris, là. D'abord, il y a eu 350 personnes qui étaient déjà en train de faire la queue 24 heures avant et qui ont campé. Ensuite, à 1h du matin, je crois, c'était 1h ou 2h, il y avait déjà 1000 personnes. Un peu la merde. Voilà. Du coup, on s'est grave reposé et tout depuis hier. Depuis la dernière image que vous avez vue, on a dormi de 2h du matin jusqu'à 13h, quoi, parce que il faut prendre des forces. Ouais. Bon, je vous réupdaterai, on sera sûrement déjà à Bercy tout à l'heure. Salut. Je suis pas du tout habillée de la même manière, je me suis lavée, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça, c'est la Mirana d'après. Oh my god. Donc là, on se dirige actuellement vers l'Arena, donc c'est pas encore mon concert à moi, mais si ça se trouve, je vais faire la queue toute la nuit. Oui, à partir de maintenant, parce qu'il y a déjà des gens qui font la queue actuellement pour le pour demain. De demain. Et dans 24 heures. Et il est 18h40. Ah bah c'est dans 24h pile. Voilà, voilà. C'est super. C'est parti. Qu'est-ce qu'on s'amuse. On s'amuse. Je viens d'imprimer mon billet. Et la carte d'identité de Manon, parce que c'est pas mon nom sur le billet. Toujours plus ça. Allez. Hello, comment tu te sens? Mais quand même, là-bas, y a le truc des BTS, on est là. Devant l'accord Hotel Arena. Là-bas, c'est la fosse où j'irai demain. Ouais. Ça va être trop bien. Trop. Donc là, Mirana va voir les BTS dans moins d'une heure. Ouais, non, dans une heure. Ah ouais, non, une heure. Ouais. On mange des sandwichs en attendant. Ouais, et moi, je me suis vraiment décidée, les gars. Je crois que je vais rester là toute la nuit. Ouais. Hein. Donc, ça veut dire que je vais faire la queue ce soir. Allez, merci, au revoir. Hey YouTube,
Oh my god. Alors comment dire, je vais vous raconter mon expérience du concert des BTS à Paris. Donc là, c'est le lendemain, il fallait que je prenne un peu de recul pour pouvoir parler de cette expérience de oufissime de malade. Donc là, en fait, je suis en train de déjeuner, n'est-ce pas? Hashtag repas d'étudiant, macaroni, fromage et omelette. Punaise les gars, c'était le concert le plus émouvant de ma vie, mais c'est-à-dire littéralement. Alors je vous raconte de base, comme vous avez dû voir, j'étais avec Mirana, on n'a pas eu les places pour le même concert. Je suis arrivée vendredi soir à 19h, pas totalement préparée, mais ouais, vraiment pas préparée en fait. J'ai commencé à faire la queue à 19h parce que oui, il y avait déjà 500 personnes. Moi, j'étais le numéro 636, donc voilà. Le pré-numéro, hein, parce qu'après, on a dû attendre toute la nuit, genre toute la nuit les gars, pour que je devienne le numéro 596. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dormi dans la queue. Bon, d'abord, on a fait la queue jusqu'à à peu près 22h, jusqu'à à peu près 22h, je crois, dehors de Bercy. Ensuite, ils nous ont fait rentrer dans le moment où on fait la queue. Sauf que là, le sol est complètement dégueulasse, genre il est en poussière et tout. Donc heureusement que j'étais habillée un peu en mode... pas terrible. Et donc j'ai dormi à même le sol sur le plaid d'une fille que j'ai rencontrée. Donc elle s'appelle Elodie et vraiment merci à elle parce que sans elle, genre j'aurais dormi ben, sur ma veste en fait, en boule. Et en fait, en soi même les gars, je vous raconte la vérité, c'est que j'ai même pas dormi. Donc c'est-à-dire qu'on s'est posé à nos places, il était 22h, 23h. On a beaucoup discuté avec mon amie Elodie. On a rencontré les gens de la file et tous les gens autour, etc. Et on est resté là vers minuit. On a commencé à se mettre en position allongée. Donc j'ai vu Mirana qui est sortie de son concert d'abord. On a beaucoup discuté, elle m'a passé un pull, elle m'a passé des choses à manger et tout ça. Ensuite, la nuit, ben, je suis allongée, je me suis mise dans toutes les positions possibles. Et malgré la présence d'un plaid, malgré la présence d'une couverture thermique, enfin thermique, ouais, qui est censée nous réchauffer là, les jaunes fluo là, ben non, en fait, j'ai pas du tout réussi à dormir parce que je suis super frileuse des pieds. Et même si je mettais mes chaussettes avec mes pumas, et ben non, en fait mes pieds étaient gelés et il faisait 10 degrés dans la nuit et il y avait du vent tout le temps. Donc c'était vraiment l'automne en pleine nuit. Suite à ça, après le dodo, ils nous ont commencé à nous réveiller vers 4h du matin et nous dire que voilà, ça y est, ça allait bientôt être la numérotation et tout ça et tout ça. Pendant 4h, ils organisaient juste les files pour qu'on continue à avancer, qu'on soit bien parqués comme des bons zébus. Après, je dois dire, l'organisation était plutôt... bon, c'était un peu le bordel souvent au niveau des heures et tout. Mais je veux dire, ils arrivaient bien à nous gérer. On était assez respectueux, je pense, du système, sauf pour quelques personnes dont je vais parler justement puisque je l'ai vécu, n'est-ce pas? Donc là on commence donc à 5h à se mettre en rang et tout pour la numérotation. Donc évidemment on a gardé les places de certaines personnes qui sont allées dormir chez elles parce que voilà, elles nous ont bien prévenues, on a bien discuté, etc. Sauf que d'autres ne nous ont pas dit en fait dans leur pré-numérotation, les gens juste avant nous, elles étaient 3. Sauf qu'à la base, quelques-unes sont venues, d'autres sont parties, j'avais pas trop compris. Mais en tout cas, je voyais très bien qu'il y avait 3 nouveaux visages. 3 filles, je ne vais pas les prénommer parce que je me souviens exactement de qui c'est. Mais donc ces 3 nouvelles filles n'avaient pas de numéro, mais elles sont passées devant nous. Et elles ont fait la queue à 4h du matin, de 4h à 6h, pour la numérotation, comme ça. Donc c'était vraiment irrespectueux. Elles nous ont même pas demandé notre avis. Elles ont dit au staff et tout, mais si, on a demandé l'avis aux filles derrière et tout. Non, en fait, elles n'ont pas demandé notre avis tout court. Au moment de la vraie numérotation, du coup, en fait, on avait écrit nos noms et nos prénoms sur un carnet de quelqu'un pendant la nuit qui passait, hein, parce qu'elle passait bien quand on dormait, pour qu'on mette nos noms et prénoms, pour prouver que, ben voilà, on était vraiment là pour veiller et qu'on avait le droit comme ça. Et même pour ceux qui veillaient pas, ben, on mettait déjà leur prénom et leur nom. Non, les 3 filles sont passées comme ça. Genre comme ça. Le lendemain, c'était une petite embrouille et tout, genre vers le moment de notre numérotation qui n'était que à 8h du coup, ben les filles derrière nous ont commencé à se plaindre et tout par rapport à Elodie et moi parce que nous on était en mode on sait pas quoi faire et tout, tu vois, genre on voulait pas faire de grosses engueulades et tout, mais elles étaient quand même 3, tu vois. Du coup, ben, les filles elles ont dit non, c'est pas vrai et tout, non. Et elles avaient raison, merci les filles. Mais le truc c'est que c'est quand même passé, mais lol, les 3 filles qui étaient arrivées en plus des 3 meufs qui avaient gardé leur place ont aussi demandé est-ce que 2 autres meufs arrivent. Non mais là heureusement que les filles derrière nous ont dit mais non, enfin genre non, vous avez pas de numéro, vous avez pas le droit de sauter la barrière et venir dans la queue alors que vous arrivez comme des fleurs à 6h du matin, tu vois. Que voilà, heureusement elles sont pas passées. Ensuite, bah voilà, hein, la queue c'était vraiment la fatigue pour moi, hein, parce que du coup pendant toute la journée d'attente, ben, j'étais juste fatiguée. J'étais entre l'émotion de la fatigue et entre vraiment la joie de vivre, parce que franchement
je me suis dit, punaise, je fais vraiment ça que pour eux, que pour les BTS d'amour, quoi, tu vois, je veux dire... En plus, j'étais heureuse de voir des gens passionnés comme moi, c'est-à-dire que beaucoup de gens avaient, genre, des pancartes BTS, on chantait, les fans chantent et tout ça, puis souvent, on écoutait la musique des BTS, et puis des gens dansaient carrément dans les queues et tout, et franchement, c'était trop bien, quoi, de voir des gens passionnés comme ça pour les BTS, et, enfin... Je sais que souvent je fais grave la forceuse parce que beaucoup d'entre vous qui me regardent ne font pas du tout partie du public des BTS, des ARMY et tout. Mais je sais que mes amis, enfin deux copines proches, à savoir Mirana et Manon, sont des ARMY et je pense qu'elles comprennent ce que je ressens. Et c'est cool aussi voilà, de partager ce genre de moments avec des gens qui comprennent en fait. C'est-à-dire vraiment être dans la queue avec des inconnus, mais on est tous passionnés par 7 garçons coréens qui viennent en France. Quoi. Enfin, c'était vraiment, vraiment positif je pense, même si je vous ai dit il y avait des moments négatifs et tout, hashtag le froid, le bruit. Ah oui, parce que ça aussi, les gars, le bruit, c'est quelque chose quand même. C'est-à-dire que même à 1h, 2h, 3h du matin, t'as beau essayer de dormir, les gens à côté de toi, ils continuent à parler, quoi. Sinon, au niveau de mon corps et de mon esprit, mentalement et physiquement, j'étais vraiment... Genre, je tremblais souvent parce que j'avais mal au dos, j'avais mal aux pieds, enfin, je me sentais pas bien. Et voilà, quoi, et je me sentais pas propre, quoi. Et le lendemain, heureusement que les filles derrière moi avaient des lingettes pour bébé, que Mirana est revenue pour me passer mes provisions, merci Mirana. Alors elle est revenue me passer ma bouffe du midi et ma bouffe du soir et mes habits pour le concert, parce que j'allais pas non plus aller au concert en mode dégueulasse, tu vois, pour voir les BTS. Ensuite, au niveau du concert, genre c'était mais trop génial, genre j'ai même pas eu le temps de vlogger là-bas ou quoi. Les vidéos que vous allez voir juste après, ben c'est vraiment des vidéos voilà, où je me suis dit, bon là, essaie de garder ce souvenir-là. Mais la plupart du temps, je vous jure, les voir avec mes propres yeux, là, face à moi, c'était vraiment génial, quoi. Parce qu'en fait, en soi, j'étais genre à 5-6 mètres d'eux, tu vois. Donc dans les vidéos, ça se voit pas forcément, je trouve, parce que genre je zoomais sur eux, du coup la qualité, elle est pas ouf et tout. Mais franchement, dans la réalité, genre, il faut le voir pour le croire, tu vois. Et franchement, quand je les ai vus là, face à moi, je les trouvais grands. Je l'ai trouvé super énergique et tout. Et même si Jungkook, mon bias, mon préféré, ne dansait pas malheureusement, ben, franchement, il s'est beaucoup, beaucoup débrouillé, quoi. Genre, il a beaucoup chanté, il a beaucoup sauté de joie et tout avec nous. Enfin, je veux dire, vraiment, voilà, j'ai trop kiffé. J'en ai eu les larmes aux yeux. Hein. Les gars, j'ai pleuré 4 fois. Pleurs de joie parce que, ben, voilà, quoi, ils étaient face à moi. Genre, j'ai pas pu voir la scène du fond, par contre, parce que il faut savoir que leur scène, c'est en mode comme ça. Et en bas, il y a un losange. Et moi, j'étais du côté losange, pas du côté scène fond. Et du coup, je voyais pas forcément très bien ce qu'il y avait sur le fond, sauf à l'écran. Mais du coup, quand je les ai vus vraiment face à moi, au losange, genre sur les chansons, vraiment les premières chansons où ils ont chanté vers nous, vraiment là, j'étais totalement émue, quoi. Enfin, je les ai vus dans l'ordre petit à petit. Et surtout à Hangtan Sonyeondan, là, l'espèce de medley et tout. C'était génial, quoi. Ils s'amusaient tous. Je voyais Namjoon, ensuite j'ai vu Jin, ensuite j'ai vu Suga. Genre, Suga, je l'ai vraiment bien vu. Ensuite, là, j'ai vu J-Hope, Jimin et tout. Oh là là. Mais alors, quand j'ai vu Vi était vraiment mais magnifique. Genre, il se baissait vers nous et tout, avec ses cheveux, trop mignon. Et puis après, à la fin, Jungkook, je l'ai vu, mais trop mignon, avec son sourire, ses yeux, et sa petite expression de baby, son baby face et tout. Enfin, voilà, c'était mais magnifique. Mais ce qui a encore plus rendu magnifique le truc, c'est que grâce à Mirana, elle m'a offert ceci pour mon anniversaire. Donc si t'es une fan des BTS, tu sais ce que c'est, hein. Hashtag c'est la light stick. Donc c'est la light stick qui change, voilà. C'est pour faire pas mal de choses pendant les concerts. Et ça change souvent de couleur et tout. Et c'est réglé automatiquement de manière à ce que toutes les fans de la salle, elles aient toutes ça. Et quand elles bougent et tout, ben... ça fait la même image et c'est vraiment super beau. Enfin, alors, avec le logo des BTS et tout, vraiment c'est trop trop beau. BTS, BTS, BTS. Enfin voilà quoi, c'était trop bien d'avoir ça sur moi. Sachant qu'en plus, il y avait 7 cartes officielles des BTS. BTS V. Donc là, je vous fais un petit unboxing. Le baby. BTS Jimin. L'autre baby. BTS J-Hope, mon autre baby encore, BTS Jin, Heart, BTS Yoongi, oh là là, il est trop beau en plus avec les cheveux comme ça, BTS RM, oh, attendez les gars, et enfin, bien sûr, mis à mort, BTS Jungkook, mais genre Namjoon, il était, mais trop beau, quoi. Genre sur Tyr et tout, il était trop trop beau. Genre je le voyais vraiment en face de moi en train de chanter Tyr. Et après pareil, Suga et J-Hope, genre tellement mignon, tellement
à fond, tellement énergique. Genre, franchement, même Yoongi était énergique, les gars. Genre, vraiment. Genre, ça se voit dans les vidéos et tout. Mais là, quand t'es face à soi, tu te dis, mais en fait, il bouge énormément, quoi. C'est fou. Et après, vraiment, en beauté physique, je veux dire, vie. Oh, il était magnifique, quoi. Et Jimin et Jungkook, ils étaient trop, trop mignons. Enfin, vraiment, en réalité, ils sont beaucoup plus beaux qu'en photo et en vidéo. Donc, même les vidéos qui vont suivre, voilà, c'est juste pour avoir une idée de l'esprit du concert et tout. Mais tant qu'on n'y est pas, en fait, on peut pas comprendre, quoi. Après, évidemment, il y a des points négatifs dans la fosse. Honnêtement, je reviendrai plus là-bas parce qu'entre les gens qui poussent, les gens qui font des malaises, les gens qui te cachent, les gens qui crient à ton oreille, voilà, c'est vraiment triste et choqué de l'ambiance. Et à cause de certaines fans, en fait, ben, j'ai pas pu regarder certaines performances. Et ça m'a vraiment, vraiment énervé, en fait, que je vive pas mon expérience des BTS à fond à cause de gens, en fait. C'est juste, je voulais juste qu'il y ait les BTS et les fans, mais particulièrement, je voulais juste que ce soit les BTS et moi. C'est pour ça que j'étais aussi toute seule en fosse. Ça allait être une expérience de moi avec mes artistes, quoi. Après, je suis vraiment heureuse qu'ils soient passés sur Paris. Je suis quand même heureuse d'avoir vécu cette expérience pour avoir fait la fosse des BTS une fois dans ma vie. Prochaine fois que je vais les voir, j'espère vraiment être dans les gradins. Bon, c'est sûr, je serai dans les gradins. Je veux dire, il n'y a pas moyen, je préfère être dans les gradins 1000 fois. Donc voilà, voilà, les gars. Franchement, trop, trop refaite, n'empêche. Et là, ça m'a grave motivée. Mais dites-vous que le concert a duré que 2h30 et c'est passé à une vitesse. Mais en même temps, c'était long et lent parce qu'on avait beaucoup de suspense et tout ça. En même temps, c'est passé tellement vite qu'à la fin, j'ai aussi pleuré du coup de tristesse quand ils nous ont dit au revoir. Voilà, je suis une fan assez engagés. Donc voilà, et puis eux aussi, bien sûr, merci à eux, parce que grâce à eux, c'était un show de malade. C'est-à-dire que vraiment, ils se sont donnés à fond et à la fin, ben, ils étaient heureux en fait d'être à Paris. Enfin, genre, ils ont dit tellement de choses positives sur la France, sur notre public à nous qui est vraiment très, très, très interactif. Genre, on répondait à ce qu'ils disaient, on écoutait ce qu'ils disaient, ils parlaient français, etc. Je veux dire, il y avait vraiment une symbiose et ils nous ont promis de revenir l'année prochaine, tu vois, donc c'est pas rien. Enfin, je veux dire, ça fait trop, trop du bien. Donc, je pense que ça se voit énormément, que je suis grave heureuse. En tout cas, là maintenant, je vous laisse du coup avec la partie attente et concert, même si ça va pas durer très très longtemps, mais bon, j'espère que vous arriverez un peu à vous mettre à ma place et voir ce que j'ai vécu globalement, même si je voulais plus raconter que je voulais montrer. Yeah.
Deux fois pour un concert, n'est-ce pas, pas suffisant? BTS RM 씨가 3년 7개월 만에 새 음악을 냅니다. BTS RM 씨 après 3 ans et 7 mois nous donne une nouvelle musique. Voilà, petite retrouvée avec Magali parce que ça fait longtemps. Je me lave et je oui. Si elle met la même chemise, c'est juste la chemise, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, on va manger et puis on ramène celle-là, là, bye bye Mimi. Hein. Elle va rentrer en Suisse. Voilà, bisous les filles. Coucou. Coucou, bonnes vacances tout le monde. Devinez qui est avec moi. Salut Andre. Salut. On se fait nos propres aligots, saucisses fait maison grâce à Andre Tim, c'était son idée. Donc là on commence un peu nos petites vacances d'octobre et les gars il fait genre 7-8 degrés donc autant dire que ce week-end quand on était ensemble j'ai pas du tout vlogué parce qu'en fait on était tout le temps à la maison et moi j'étais à Auchan. Et du coup bah là voilà, là c'est la semaine, on va un peu plus sortir, un peu plus manger donc vous aurez bien des petits vlogs de food comme d'habitude. Avec Ant, mon partenaire préféré de bouffe. Vous n'êtes pas prêts pour tout ce qu'on va manger. T'es chiant. Hey, donc nous sommes sur Paris. Enfin non, nous sommes à New York.
나 미워해 봤던 영상 각종 사진 트위터 위앱은 무야자 다 정걸 어떡해 그만해 뮤비는 나중에 해석할까 어차피 내 사진 이 방에도 많잖아 한 시간이 모아 1, 2년에 숨삭해 이 노래 내가 내게 주면서 Donc il a pris un bulgogi, on a un petit kimchi, et moi j'ai pris un petit japchae. Ouais, bon appétit. Alors bien sûr, on finit notre journée parisienne avec un beau date et une belle vue sur la Tour Eiffel. Bisous. On va aller voir Venom. C'est un peu dégueulasse. J'avais jamais vu la bande-annonce. Et je viens de voir à quoi il ressemble grâce à Rando. Genre juste après avoir acheté les tickets. Voilà.